Praise the Lord. Everybody, I said, praise the Lord. Tonight, the Lord will bless you specially. Everything you've been praying for, all that you've been looking to God for, salvation, healing, deliverance, miracles from God, the Lord will pour upon everyone tonight in Jesus' name. Amen. 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 Bless your name because we know you are good. Your blessings will come upon everyone tonight. Thank you, Lord, because we know you in Jesus' name we pray. Thank you. God bless everyone. You can sit down. Tonight we begin a special global crusade into everyone with power, with unction, with overflowing anointing. You will not miss your miracle. I said you will not miss your miracle. Tonight I'm looking at and I'm reading Luke chapter 2 verse 10. The angel said unto them, fear not, for behold, I bring you good tidings of good of great joy, which shall be to all people. An angel came from heaven, and he came to those shepherds at night, and he announced to them what they needed to acknowledge in their lives, what they have been searching for, what they have been praying for, what they have been dreaming of. The angel came and told them, God said, fear not. All your fears are taken away. All my fears are taken away. When Christ comes, the Savior, the Prince of Peace, everything you fear, you feared in the past. Then you borrow your past and you look at that to make up. La crainte du passé, la crainte au présent, la crainte dans l'avenir. Alors l'ange dit, même Christ vient dans votre vie, ne craignez point. Il sauvera ton âme. Ne crains point. Il te donnera la paix. Ne crains point. Ne crains point, il ôtera ta montagne. Ne crains point, il guérira ta maladie. Comment cela arrivera-t-il? Voilà, je vous annonce une bonne nouvelle.
Et il dit, verset 12, et voici, c'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, verset 11, il vous est né un sauveur. Pense à cela comme si c'était à toi en particulier. Car pour vous, tout problème que tu as pour toi, aujourd'hui est né dans la ville de David un sauveur qui te sauvera du péché, qui te sauvera de la maladie, qui te sauvera des puissances sataniques, qui te sauvera de tout ce qui avait bombardé ta vie jusqu'à ce jour. Où es-tu? Le sauveur est venu pour toi. Le guérisseur est venu pour toi. Le libérateur est venu pour toi. Un rédempteur est venu pour toi. L'ange a dit qui est le Christ, le Seigneur. Maintenant, il nous dit dans le verset 12. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Dans le verset 13, et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant, verset 14, gloire à Dieu pour la paix qui vient, gloire à Dieu pour la joie du ciel qui vient sur la terre, gloire à Dieu. Pour les œuvres miraculeuses qu'il est venu donner, gloire à Dieu. Pour la paix, le pardon, gloire à Dieu. Pour la puissance qu'il amène du ciel, gloire à Dieu. Pour les miracles que tu vas recevoir aujourd'hui, gloire à Dieu. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Et paix sur la terre. Et là, nous sommes sur la terre, la paix. Sur la terre où tu es assis là-bas, la paix. La paix dans ton cœur. La paix dans ton foyer. La paix autour de toi. À part de ce soir, comme tu es venu et tu reçois Christ dans ta vie, paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. De ce passage que je vous ai lu maintenant, nous considérons le message, la paix unique et salutaire par la foi en Christ. La paix unique venant dans ton âme, venant dans ton cœur. Le type de paix que tu n'as jamais connu. Aucun tumulte sur la terre ne peut détruire. La paix unique. Il y a salutaire là, la paix qui vient avec le salut. Et c'est pas la foi en Christ. Christ, le même Christ. Christ, le Christ qui sauve. Christ, le Christ puissant. Aussi puissant aujourd'hui qu'il a été. La paix unique et salutaire par la foi en Christ. Ce soir, tu l'auras. Répète, je vais l'avoir. Nous allons considérer trois choses avant la prière. Premièrement, annoncer la bonne nouvelle de la paix.
l'ange venu du ciel annonça la bonne nouvelle de la paix à tout le monde, pour toi, pour moi, pour elle, pour lui, dans telle nation, en ligne. L'annonce des anges te parvient. Annoncer la bonne nouvelle de la paix. Deuxième point, admettre, reconnaître le grand besoin de la paix. Tu dois l'admettre dans ton cœur. Que ce que Dieu envoie est la chose la plus importante de ta vie. J'admets, j'affirme. En réalité, que j'ai besoin de la paix avec Dieu. La paix en moi-même. Et la paix avec mes voisins. C'est un besoin dont on ne peut s'en passer. Admettre le grand besoin de la paix. Troisièmement, avancer dans la nature de paix de Dieu. Ça, c'est la nature de Dieu. Quiconque s'approche de Dieu, quiconque se réconcilie à Dieu, quiconque devient membre de la famille de Dieu, la nature de Dieu lui est conférée. La nature de Dieu n'est pas une nature de violence. Ce n'est pas la nature de cruauté. Ce n'est pas la nature de bagarre. La nature de Dieu, c'est une nature de paix. Et quand nous venons connaître Dieu, il transfère cette nature qu'il a, qu'il est, il la transfère dans notre vie. Avancer dans la nature de Dieu. Sans la nature de Dieu, nous allons régresser, nous n'allons pas avancer. Parce que seul Dieu nous promeut, qui nous élève. Et lorsque nous avons cette nature de Dieu, il nous aide à évoluer, à avancer, et c'est avec la nature de Dieu. Avancer dans la nature de paix de Dieu. Voyons l'annonce là-bas premièrement. Premièrement, annoncer la bonne nouvelle de la paix. Comme nous l'avons déjà lu, Dieu a envoyé un ange de très haut, très loin du ciel sur la terre. Il dit, va leur dire. Va dire à tout homme, à toute femme. Va dire à tout le monde sur la terre. Que cette paix qu'on ne peut pas avoir sur la terre, Dieu le Père qui est aux cieux a envoyé cette paix. Et l'ange a dit, c'est pour tout le monde. C'est pour toi ce soir. Je dis, c'est pour toi ce soir. Ésaïe chapitre 52. Lisons le verset 6. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Ça, c'est le commencement. Mon peuple connaîtra mon nom. Et quel est ce nom? Le prince de paix. Vous savez, il est le sauveur. Vous connaissez son nom comme Seigneur. Vous connaissez son nom comme celui qui brise tous les jougs de la vie.
C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle, me voici. Il dit que c'est lui qui parle. Il te parle ce soir. Par sa voix, par sa parole, la paix viendra dans ta vie. Et dans le verset 7. Ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, qui promeut, qui proclame la paix. Qui publie la paix de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Il publie la paix. Il est venu te donner la paix. Comme tu as ouvert ton cœur. Et tu dis que le prince de paix vienne. La paix du Seigneur qui règne, qui domine sur la terre, viendra dans ton cœur. Quand il n'y a pas de paix, nous sommes déchirés à l'intérieur. Quand il n'y a pas de paix, il y a la confusion dans le cœur. Quand il n'y a pas de paix, il y a les troubles dans le cœur. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de santé. Quand la paix de Dieu s'établit dans ton cœur. Quand la paix de Dieu remplit toute ta vie. Elle change tes pensées. Elle change ton esprit. Elle change tes actions. Tes mains ressentent la paix. Tes pieds avancent dans la direction de la paix. Tes pensées auront des pensées de paix. Tes activités seront des activités de paix. Tes relations seront des relations de paix. Tes interactions sont des interactions de paix avec tout le monde. Et le Seigneur est venu te déclarer ce soir la paix de Dieu qui régnera dans ton cœur. Voyons le verset 10 d'Ésaïe 52. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté. Aux yeux de toutes les nations. Au Cameroun ici, la paix. Toutes les nations qui entendent la voix, qui entendent la parole, qui entendent l'annonce de la paix pour vous. Dans chaque cœur, ouvert au Seigneur, qui confesse au Seigneur, je n'avais pas la paix, je ne jouissais pas de la paix, je n'expérimentais pas la paix, comme tu ouvres ton cœur, ton esprit, ton cœur, ta vie au Seigneur, la paix abondante viendra dans ta vie. Dans n'importe quelle nation où tu es, dans n'importe quelle communauté où tu es, comme tu entends ce que Dieu envoie, et comme il annonce la bonne nouvelle de la paix, et tu connais les troubles dans ta vie, et tu dis, j'abandonne ça. Je confesse cela. J'abandonne cela. Toute pensée, toute imagination,
toute action qui a ôté la paix de mon cœur. Je confesse, j'abandonne, je rejette. Christ, prince de paix, entre dans mon cœur. Quand Christ entre dans ton cœur, quand le prince de paix entre dans ton cœur, la paix universelle, la paix avec Dieu, la paix avec l'homme, la paix venant du ciel, la paix sur la terre, peu importe la condition dans laquelle tu étais par le passé, la paix de Dieu à part de ce soir régnera dans ton cœur. C'est comme ça que nous savons que nous avons le prince de paix. C'est comme ça que nous savons que nous avons la paix qui vient avec le salut. Quelqu'un dit, je suis sauvé, je suis enfant de Dieu, mais il n'y a pas de paix dans le cœur, il n'y a pas de paix dans ses pensées, il n'y a pas de paix dans ses actions, il n'y a pas de paix dans ses interactions avec les autres. Pour que cette personne soit certaine qu'elle a vraiment le vrai salut, elle doit ouvrir son cœur pour que le prince de paix entre. Ce n'est pas suffisant d'aller à l'église le dimanche, et même le soir de ce dimanche, nous sommes en train de nous bagarrer, nous sommes violents. Ce n'est pas suffisant de baisser la tête, de se courber devant le prince de paix le matin et après on commence à se bagarrer, on commence à avoir des trous avec les gens. Non, nous devons ouvrir notre cœur pour que le prince de paix vienne dans notre vie. Et il dit, toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Les extrémités de la terre. Toi là-bas ce soir, lui qui est là-bas, et elle qui est là-bas, tout le monde partout, rencontre le Seigneur et rencontre le prince de paix. J'accueille la paix dans mon cœur. J'accueille le prince de paix dans mon cœur. La paix qui remplit tous les domaines de ta vie. En Romains chapitre 10, lisons pas du verset 15. Romains 10, 15. Et comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de paix. Alors si les prédicateurs de l'évangile de paix ont les pieds beaux, alors les prédicateurs des bagarres et des troubles, les pieds sont vilains. Et ce que vous, avant de prêcher, vous devez posséder. Avant de prêcher, vous devez alors jouir de la paix vous-même. Et tant que tu possèdes, tu pourvois. Tu prêches, tu dois prendre plaisir à l'évangile de la paix.
et tes pieds seront beaux. Dis amen, non? Ton cœur sera beau. Alors, la beauté du cœur se reflète sur le visage. Alors, le caractère vilain dans le cœur se reflète également sur le visage. C'est quand tu possèdes la paix de Dieu, quand tu jouis de la paix de Dieu, et lorsqu'il y a en toi la paix de Dieu, alors il dit les pieds beaux, le cœur beau, le visage beau, l'apparence belle, la vie belle, parce que la paix de Dieu est là. Qu'ils soient beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Voyez le verset 16. Verset 16, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Il parle de certains religieux dans le pays d'Israël. À l'époque, il disait ils n'ont pas tous obéi à la bonne nouvelle. Ils n'ont pas tous invité le pain de paix dans leur vie. Ils n'ont pas tous interagi avec la paix de Dieu par la foi. Aussi, Esaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Alors, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pour nous connecter à Dieu, nous avons besoin de la foi. Pour accéder à la paix de Dieu, nous avons besoin de la foi. Pour nous connecter à la paix de Dieu, au salut de Dieu, nous avons besoin de la foi. Nous devons nous oublier et porter le regard sur Christ, le Prince de paix. Ce soir, je crois en Dieu. Répète-le, non? Je crois en Dieu. C'est cette foi qui t'a amené ici. C'est cette foi qui t'amène à avoir des attentes. Et c'est cette foi qui t'amène à dire, dès que je vais entendre l'appel ce soir, j'irai à Christ pour avoir accès à Dieu. Et la paix de Dieu fera que ton cœur, ta vie auront la paix. Avec la paix, il y aura le salut. Avec la paix, il y aura la guérison. Avec la paix, il y aura la délivrance. Avec la foi, les miracles de Dieu couleront dans ta vie gratuitement. Dis, je crois. Ce soir, je viendrai à Christ. Répète-le, non? Ce soir, je viens à Christ. Et le prince de paix régnera dans mon cœur. Amen. Deuxième point, admettre le grand besoin de la paix. J'admets que j'ai besoin de la paix dans ma vie. Vous savez, quand nous ne sommes pas en paix avec les voisins, nous perdons beaucoup.
Les autres ne peuvent pas nous aider s'ils ne sont pas en paix avec eux. Les pourvoyeurs ne feront rien pour nous lorsqu'ils ne sont pas en paix avec eux. Ceux qui peuvent prendre soin de nous ne le feront pas s'ils ne sont pas en paix avec eux. Les philanthropes ne feront rien pour nous s'ils ne sont pas en paix avec eux. Les ennemis ne seront pas réconciliés avec nous s'ils ne sont pas en paix avec eux. Alors nous serons misérables si nous ne sommes pas en paix avec les gens qui sont autour de nous. Et Dieu ne va pas nous accepter au ciel si nous ne sommes pas en paix avec lui. Christ ne va pas nous amener dans les provisions du calvaire si nous ne sommes pas en paix avec lui. Et si tu n'as pas la paix, tu seras un solitaire, tu seras tout seul. Donc nous avons besoin de la paix en nous et de la paix autour de nous. Mais tu dois reconnaître devant le Seigneur. Et personne ne peut vivre seul et heureux sur la terre sans une interaction de paix avec les autres autour de lui. Alors tu dois admettre le grand besoin de la paix. Comment cela se produit? Et tu te dis, mais je ne peux pas fabriquer la paix. Je ne peux pas produire la paix moi-même. Il y a un créateur au ciel qui est appelé Dieu Tout-Puissant. C'est le Dieu de paix. C'est lui qui crée la paix par Jésus-Christ pour notre vie, pour tout ce que nous avons dans l'existence sur la terre. En Romains chapitre 5. Verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Ce mot justifié, nous étions coupables. Nous étions conduits au tribunal. Et notre conscience était même contre nous. Les rapports dans les livres de Dieu étaient contre nous. Notre caractère était contre nous. Nous étions coupables et condamnés. Et si nous étions arrêtés là, nous serons envoyés en prison après être jugés coupables. La prison est une prison éternelle. Le pécheur coupable, le pécheur condamné, il sera pour l'éternité. Mais Christ, le prince de paix, Christ, celui qui n'a aucun péché, l'homme parfait, l'homme sans péché, l'homme irréprochable, Christ notre Sauveur, Christ notre Seigneur, notre Avocat, il est venu et il a dit, je porterai son châtiment, même si nous étions coupables et condamnés. Christ est maintenant venu pour ôter nos péchés, pour ôter notre punition, pour ôter les conséquences de tout le mal que nous avons commis. Maintenant il dit, étant donc justifié par la foi,
nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas l'habitude d'être en paix. Il n'y a pas d'autre moyen pour fabriquer la paix pour l'envoyer dans ton cœur. Parce que sans la paix, les troubles seront là dans la journée comme dans la nuit. Mais nous portons le regard sur Christ. Le Christ qui est mort pour nous. Le Christ qui a ôté notre culpabilité. Le Christ qui a ôté notre châtiment. Et nous avons la foi totale et sans réserve en lui. Et maintenant, étant justifié par la foi, nous nous appuyons sur lui. Nous reposons sur lui. Et nous plaçons tout le poids de notre culpabilité sur lui. Et par cette foi en Christ. Nous avons donc la paix avec Dieu. Comprenez? Si vous avez la paix avec tout le monde autour de vous, vous essayez d'utiliser la psychologie, mais la psychologie ne marche pas avec Dieu, elle peut marcher avec certaines personnes sur la terre. Nous essayons d'utiliser la philosophie. Mais rappelez-vous, la philosophie ne marche pas avec Dieu. Elle ne peut que manipuler certains êtres humains. Mais si vous avez la paix avec tout le monde sur la terre autour de vous, et vous n'avez pas la paix avec Dieu, vous ne pouvez pas passer l'éternité avec Dieu au ciel. Alors la psychologie ne vous amènera pas au ciel. La philosophie ne vous amènera pas au ciel. Les malheurs par la sagesse humaine ne vous amènera pas au ciel. Seule la paix avec Dieu vous conduira au ciel. Et le seul moyen pour vous d'avoir cette paix avec Dieu, c'est par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous venez dans le royaume de Dieu. Un changement se produit dans votre vie. Maintenant, vous avez la paix de Dieu. Et avec la paix, ce même Jésus apportera la solution à tous les problèmes de votre vie. Ce soir, quand vous connectez à Jésus, ce soir, quand vous croyez en Jésus, la solution viendra pour tous les problèmes de votre vie. Acte 10, verset 36. Acte 10, verset 36. Il a envoyé la parole au fils d'Israël. En leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. La paix par Jésus-Christ. Qui est le Seigneur de tous, dans chaque nation et dans toutes les nations. Et comme tu reçois Christ ce soir, au prince de paix vient dans mon cœur. Je confesse, je n'avais pas la paix. Maintenant, je confesse sur la paix de ma vie. Tout problème de ta vie, comme il entre, il va les enlever. Voyez le verset 38. Vous savez comment Dieu a oué du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui.
Ce même Jésus est là ce soir. Comme nous mentionnons son nom, laissez-moi vous poser une question. Tu es assis tranquillement et tu regardes dans une direction et quelqu'un mentionne ton nom. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui connaît mon nom ici. Et comme tu regardes dans ta direction et tu as entendu ton nom, tu tournes la tête. Tu veux voir d'où vient cette voix qui mentionne ton nom. Et il te regarde face à face, il sourit et mentionne ton nom. Et il sourit, et la façon dont même il te regarde en prononçant ton nom, il te fait main de signe de venir. Quand nous mentionnons le nom de Jésus, il regarde dans notre direction. Qui mentionne mon nom là-bas? Je suis tel, tel, j'ai besoin de ta paix. Qui invoque mon nom là-bas? Je suis tel, tel, j'ai besoin de ta guérison. Qui mentionne mon nom là-bas? Je suis tel et tel, je suis un pécheur, je veux ton salut. Chaque fois que nous mentionnons son nom, il regarde dans notre direction. Mentionne son nom. Je dis, crie son nom. Maintenant, il regarde dans ta direction. Regarde-le, il vient vers toi maintenant. Son salut vient pour toi maintenant. Sa guérison vient pour toi maintenant. Et personne ne peut bloquer la voie à Christ qui vient vers toi maintenant. Voici, il vient. Le Sauveur vient. Le Prince de Paix vient. Le guérisseur vient. Il allait de lui en lui faisant du bien. Et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Rappelez-vous, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu est toujours avec lui. Dieu est toujours avec Christ. Et ce soir, il vient avec toute la puissance du ciel et de la terre. Il vient ce soir, il va toucher ta vie et transformer ta vie. Voyons Romains 16, 20. Romains 16, verset 20. Le Dieu de paix. Ça, c'est le nom de Dieu. Il est le Dieu de paix. Et ce soir, il écrasera bientôt Satan sous tes pieds. Et tout ce que Satan sort de son cœur pour l'envoyer vers toi pour te détruire, ce soir, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous tes pieds. Ce soir, Dieu t'accordera le pardon. Ce soir, Dieu t'accordera la paix. Ce soir, Dieu t'accordera la puissance. Et ce soir, quand tu vas te lever pour prier, tu tiendras sur toutes les montagnes de ta vie. Et quand tu vas te lever ce soir pour prier, toutes les maladies viendront sous tes pieds.
marcheras sur ces maladies, tu vas les fouler aux pieds. Tu quitteras ici ce soir avec la victoire dans ton âme. La paix et le pardon dans ton cœur. Et la vie de victoire va t'accompagner ce soir au nom de Jésus. Parce que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous tes pieds. Bientôt. Bientôt. Et ce soir, ça va t'arriver. Voyons le troisième point maintenant. Avancer dans la nature de paix de Dieu. Je viens te dire ce soir, tu vas avancer. Tu vas aller de l'avant. Tu vas te lever. Tu iras de l'avant. Les enfants d'Israël étaient sortis de l'Égypte et ils voulaient aller sur la terre promise. Et tout d'un coup, voyez la mer rouge devant eux. Tout à coup, voyez l'armée égyptienne derrière eux. Et tout d'un coup, ils ont vu les obstacles, les barrières autour d'eux. Où est-ce qu'il faut aller? Est-ce qu'il faut faire demi-tour vers le monde, à nos péchés, à notre esclavage? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont crié à Dieu. Ils ont mentionné le nom de Dieu. Quand tu mentionnes le nom de Dieu, il se manifeste. Dieu a toute la puissance. Il va détruire tout ce qui est contre ta vie. Je n'ai pas entendu un amen céleste là-bas. Et Moïse a commencé à prier. Et Dieu a dit, je suis là. Ta prière suffisante. Dis aux enfants d'Israël d'avancer. Ils avaient la peur et la palpitation avant que cette voix ne vienne. Dieu dit maintenant, ne craignez point. Tu vas avancer. Je parle à quelqu'un là-bas. Hein? Ne crains point, tu vas avancer. Tout ce qui te maintenait lié avant, tout est détruit maintenant. Et Dieu a dit à Moïse, étends ta verge. Quelque chose est arrivé qu'ils n'ont jamais lu ou entendu dans l'histoire. Quelque chose va arriver aujourd'hui. Ce soir dans ta vie, quand tu n'as jamais entendu parler, tu entendras. Qu'est-ce qui est arrivé? Moïse a étendu la verge et la mer rouge s'est divisée. Et tous les enfants d'Israël ont traversé. Ils ne sont pas allés dans la direction de l'Égypte, mais ils sont allés dans la direction de la mer Rouge. Aujourd'hui, tu vas traverser. Ce soir, tu vas avancer dans la direction du ciel. Pas dans la direction de l'enfer. Amen. Tu vas avancer. Tu vas avancer. Parce que tu auras la nature de Dieu et tu vas avancer.
Comment cela va arriver? Moïse a cru en Dieu en étendant la verge. Les enfants d'Israël ont cru en Dieu, ils ont avancé. Marc 1, 14. En Marc 1, verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée. Et Jésus est venu au Cameroun. Jésus est ici à Douala. Là où tu es et tu écoutes le message, Jésus est là avec toi. Prêchant, proclamant l'évangile de Dieu. Verset 15, il disait, le temps est accompli, le temps est venu. Ton heure a sonné. Son heure a sonné. L'heure de paix pour toi est venue. L'heure du pardon de Dieu est venue. L'heure de la puissance de la croix du calvaire est venue pour toi. L'heure de la protection, de la préservation est venue pour toi. L'heure du pardon, de la libération est venue pour toi. Le temps est accompli. Et le royaume de Dieu est proche. Dans le royaume de l'homme, il y a la violence. Mais dans le royaume de Dieu est la paix. Dans le royaume des hommes, il y a la vengeance, il y a la lutte. Mais dans le royaume de Dieu, il y a la vie abondante. Dans le royaume de Dieu, ils disent, on ne va jamais pardonner ça à cet homme, on ne va jamais lui pardonner ce qu'il a fait, on ne va jamais oublier ce qu'il a fait. Mais dans le royaume de Dieu, il y a le pardon abondant. Dans le royaume, dans le royaume de Dieu, il y a l'oppression, il y a la dépression. Dans le royaume de l'homme, il y a donc la domination imposée. Mais dans le royaume de Dieu, le joug est ôté. Dans le royaume de Dieu, il y a la paix. Le mot temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas rester au même lieu ensemble. Quand le royaume de Dieu vient dans ton cœur, le royaume de l'homme, le royaume de Satan vont disparaître de toi, de ta vie, de ton cœur. Tu dois maintenant faire ton choix. Est-ce que tu veux rester totalement dans le royaume de l'homme? Avec toute l'oppression, avec toutes les maladies, avec toutes les mauvaises choses,
avec toutes les déceptions, avec toutes les souffrances du royaume de l'homme. Mais si tu veux sortir de ce royaume de ténèbres pour venir dans le royaume de Dieu, pour que ce soit tu aies la paix, pour que ce soit tu aies la joie, pour que ce soit tu aies la délivrance, pour que ce soit tu aies la santé, la guérison, pour que ce soit tu aies la provision de Dieu dans ta vie, pour que ce soit le salut et la préparation pour le ciel vient dans ta vie. Est-ce que tu veux cela? Le temps de Dieu est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Moi, je choisis le royaume de Dieu. Je choisis le royaume de paix. Dis-le, non? Je choisis le royaume des provisions célestes. Et dit maintenant, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Très simple. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Détournez-vous du royaume des ténèbres. Le royaume du péché, le royaume du mal, détournez-vous, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle annoncée par les anges, la paix sur la terre et la gloire à Dieu. La paix de Dieu vient dans ton cœur maintenant. Et ta vie apportera la gloire à Dieu. Et le Seigneur t'amènera au moment opportun pour vivre avec lui au ciel. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Est-ce que vous êtes prêts? Je dis que vous êtes prêts. Prêt à vous repentir, prêt à vous détourner de vos péchés, prêt à vous détourner de cette violence, de cette cruauté, de cette bagarre de votre vie, à croire à la bonne nouvelle et croire au Seigneur de toute votre âme, de toute votre pensée, de toute votre force, pour abandonner votre vie au Seigneur. Prêt? Prêt? La tête baissée, les yeux fermés. Tu as entendu l'annonce. Tu dois maintenant admettre c'est après ça que l'avancement, le progrès pourront venir dans ta vie. La tête baissée, les yeux fermés. Et tu te dis en toi-même, je veux quitter le royaume des ténèbres pour venir dans le royaume de Dieu. N'importe où tu es, tu lèves simplement la main. Tu dis, Seigneur, je me repens. Je me détourne du mal. Je me détourne des ténèbres. Je me détourne des violences et des bagarres. Je me détourne du royaume du monde. Je viens dans le royaume de Dieu. Je veux la paix de son royaume. Je veux la nouvelle vie de son royaume. Je désire la provision du royaume. Je veux le secours de Dieu. La paix dans mon cœur.
la paix dans mes pensées, la paix dans mes imaginations, la paix dans mes plans. Lève la main, dis Seigneur, je suis là. Je veux cette paix annoncée par les anges. J'admets le besoin de la paix de Dieu dans mon cœur. Si tu lèves la main, mets-toi debout. Tu te mets debout pour que la paix de Dieu vienne dans ton cœur. Jésus est le prince de paix. Tu te lèves pour soumettre ta vie à Christ. Pour dire, Seigneur, me voici. Je m'abandonne. Ma vie totalement entre tes mains. Ôte la confusion de mon cœur. Ôte la condamnation de mon cœur. Ôte la damnation qui devait venir comme conséquence de mes péchés. Réconcilie-moi au Père Céleste. Pardonne-moi tous mes péchés. Et que ta paix descende dans mon cœur. Lève-toi et mets-toi debout. Et cette paix viendra. Je prie pour toi maintenant. Père, au nom de Jésus, merci parce que tu nous as invités. Et tu as amené la paix pour tout le monde. Je prie que dans ton amour, dans ta miséricorde, dans ta compassion, pardonne tous les péchés au nom de Jésus. Accorde le pardon à tout le monde. Le pardon céleste. Le pardon royal. Le pardon du roi des rois, des seigneurs des seigneurs. Pardonne tous les péchés comme ils croient en Christ maintenant. Et que la paix de Dieu règne dans leur cœur. Et que le salut de Dieu soit maintenant évident dans leur cœur. Change leur vie. Et qu'il y ait de vraies transformations dans chaque vie. Et que les anciennes habitudes, les anciens comportements soient sous leurs pieds maintenant, au nom de Jésus. Confirme ton salut dans chaque cœur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Dieu l'a fait. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Toujours debout. Nos conseillers viennent pour prendre les noms et les détails. Comme vous savez que vous êtes venus pour la paix chez le prince de paix. Notre pasteur national viendra nous aider et après cela, votre guérison vous attendra.
continue de prier pour vous. And then they will counsel you. Et on va vous conseiller. So counselors, you should take their correct address. Donc que les conseillers prennent la bonne adresse. Your name, vos noms, your number, vos numéros. And you give a direction to how we can get you. Et donner une localisation pour vous retrouver. Whether you stay in this quarter, si vous habitez dans ce quartier, you might be in Mabanda. Peut-être que vous êtes à Mabanda. You might be in Lokpom. Peut-être que c'est à Lokpom. You might be in Bornodus. Peut-être à Bornodus. Or PK 14. Ou à PK 14. Or anywhere. Ou n'importe où. Where you have come from. D'où vous venez. It could be in Yaoundé. Peut-être vous venez de Yaoundé. In the north. Du nord. Or southwest or west. Du sud-ouest ou de l'ouest. You put your correct address. Mettez votre bonne adresse. So that they can help you. Afin qu'on puisse vous aider. Spirituellement, so that you can grow in the Lord. Afin que vous puissiez grandir dans le Seigneur. The counselors are there. Les conseillers sont là. Please give your correct name. S'il vous plaît, donnez vos bons noms. So that you can be helped continually. Pour qu'on continue de vous aider. So on how you can grow. Sur comment vous pouvez grandir. Grow in the Lord. Grandir dans le Seigneur. There is going to be a lunch hour tomorrow. Il y aura un moment de rassemblement de déjeuner demain. In the tent on my left here. Ici à ma gauche sous la tente. Where you will spend time with Jesus. Où vous passerez du temps avec Jésus. And know how you can grow. Et savoir comment vous pouvez grandir. And I know the Lord will bless you. Et je sais que le Seigneur vous bénira. The peace of God which has come into your heart today. La paix de Dieu qui est déjà dans votre cœur. Will enable you to continue with Jesus. Vous aidera à continuer avec Jésus. Counselors, conseillers, go near them. Rapprochez-vous d'eux. Go to where they are. Allez là où ils sont. And get the correct address. Et recevez leur bonne adresse. No long thing to write, but just their name, their number, and their address. N'écrivez pas trop, juste nom, prénom, numéro de téléphone et leur adresse. Counselors, conseillers, do it. Faites-le. And after that, the man of God is coming again to pray. Après ça, l'homme de Dieu revient pour prier. Miracles that you have never seen before. Les miracles que vous n'avez jamais vus autrefois will happen here today. Vont se produire ici ce soir. Counselors, get to where they are. Conseillers, arrivez là où ils sont. Yes, take the correct address. Oui, prenez leur bonne adresse. The quarter where you stay. Le quartier où vous habitez. If there is any public place there where you can direct, come behind this boulangerie. S'il y a un lieu connu là-bas que vous pouvez nous indiquer en disant par exemple derrière cette boulangerie ou à côté de tel supermarché or behind this motor park, ou à côté de ce parking or near this popular store, ou derrière cette boutique populaire or behind this such and such a school, ou derrière telle école. And put down your telephone number. Et donnez vos numéros de téléphone. And give your real name. Et donnez votre vrai nom. Or the name with which you are called in the quarter. Le nom avec lequel vous êtes connu au quartier. This is going to help the people that have been in the Lord to help you on how to grow. Ça va aider ceux-là qui sont dans le Seigneur à vous aider à grandir. Counselors. Les conseillers. Please give, put down your name. S'il vous plaît, écrivez vos noms. If you don't know how to write, you can ask the counselors to help you to write. Si vous ne savez pas écrire, demandez aux conseillers de vous aider à écrire. The counselors behind there.
Les conseillers là-bas derrière. Please take the information. S'il vous plaît, prenez les informations. This is to help you. Ça c'est pour vous aider. To grow. À grandir. That's to help you to grow. C'est pour vous aider à grandir. That's to help you to continue in the Lord. C'est pour vous aider à continuer dans le Seigneur. Counselors, do it. Conseillers, faites-le. The counselors in the middle here, if you have finished, you should lift up, you should raise your hand to indicate that you are through. Les conseillers qui sont ici au milieu, si vous avez fini, levez la main pour indiquer que vous avez fini. Those on my right hand side here, qui sont you will à ma also droite, indicate. Faites-nous signe that you are through. Que vous avez fini. If you are watching online, si vous nous regardez en ligne, and you are following this global crusade in all the continents of the world, et vous suivez cette croisade mondiale de par tous les continents in pays Europe, du monde, en Europe, in Asia, en a depuis l'Asie, in America, en Amérique, in India, en Inde, and in all the continents and subcontinents of the world. Et dans tous les continents et les sous-continents dans and le monde. And you have given your life to Jesus Christ. Si vous avez donné votre vie à Jésus. After the pastor's message this evening. Après le message du pasteur de ce soir. There is a link. Il y a un lien. That you can queue in. To give your information. Sur lequel vous pouvez cliquer et donner vos informations. It is GCK. C'est GCK HQ HQ dot org. Point org. You connect with Christ. Vous vous connectez avec Christ. Below your player, en bas, click it and fill the form that is there. Cliquez dessus et remplissez le formulaire qui so est. So that we can assist you further. In your new walk with Christ. Pour que nous puissions vous assister dans votre nouvelle marche avec Christ. Also, aussi, if you are listening via the radio, si vous nous écoutez par la radio, or television, ou par télévision, and you just give your life to Christ, et vous venez de donner votre vie à Christ, send your name, et envoyez votre nom, your phone number, votre numéro de téléphone, and your location address, et votre adresse de localisation, via SMS, par SMS, or WhatsApp, ou par WhatsApp, to plus, au numéro plus, 234 234 15 444 15 444 92 63 63 plus 234 plus 234 915 915 444 444 9263 926. There will be a special meeting. Il y aura une réunion spéciale. Tomorrow. Demain. In the tent ici, on my left hand side. Dans here. La tente à ma gauche. It is titled Lunch Hour with Jesus. Qui est intitulé Une heure avec Jésus. For all those who gave their lives to Jesus Christ, Jesus. Pour tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Tomorrow by demain, 2:30 p.m. Demain à 14h30 at the Minister's Conference Hall. À la salle de la conférence des ministres. Take note that the Minister's Conference Hall is on my left here. Notez que la salle de conférence des ministres est celle-là à ma gauche. There is a big hall there. Il y a une grande salle par là. Which will start tomorrow 7 a.m. Et qui commencera demain dès 7h so le matin. 2 p.m. in that same hall. À 14h dans cette même salle. For those of you in the Alpha location here. Pour ceux d'entre vous qui êtes ici au lieu Alpha. At 2:30 p.m. À 14h30. The Lord will bless you. Le Seigneur vous bénira. The second announcement is this. Voici la seconde annonce. There will be
a special online banquet for all those watching online who gave their lives to Christ. Il y aura un banquet spécial en ligne pour tous ceux-là qui nous suivent en ligne et qui ont donné leur vie à Christ. This will take place on the 2nd of April, 2023. More details about this will be sent to you. Et on vous enverra plus de détails. The convener of the GCK, selon l'organisateur de la CMK, will be delighted qui sera to have you join this special banquet. Qui sera content d'avoir ce banquet spécial. Douala Believers Banquet on Sunday, dimanche, c'est le banquet spécial des gens de Douala, will take place at the Holiness Chapel, Ancienne route Bonaberry. Ce banquet aura lieu à la chapelle de la Sainteté, Ancienne route Bonaberry. En face la station Afrigas. En face First Station Afrigas. That is opposite Afrigas petrol station. C'est-à-dire en face la station Afrigas. Ancienne route. À l'ancienne route. Bonaberry Douala. Bonaberry Douala. The time will be 3 p.m. Ce sera à 15. If you just received your, if you will receive, after you have received your miracle, après avoir reçu ton miracle, you are going to come here to share your testimony. Vous allez venir ici témoigner. And miracles will happen here live. Et les miracles vont se produire ici en direct. I thought you would say amen. Je croyais que vous allez dire amen. God has been using the man of God in many places. Dieu a utilisé l'homme de Dieu à plusieurs endroits. And this night is going to be your own night. Et ce soir, c'est ton tour. So counselors, are we through? Can we just indicate by a handshake? Est-ce que nous avons fini? Indiquons en levant la main. Okay, you are done. Okay, vous avez fini. All right, fini. It's remaining the left hand side here. Please do it quickly. On dirait qu'il reste un peu à ma gauche. Faites-le rapidement, s'il vous do plaît. Do it quickly. Faites-le rapidement. Because you are ready for your miracle. Parce que vous êtes prêt pour vos miracles. Et faut dire amen. Amen. Your miracle is coming. Votre miracle arrive. Once the man of God releases the word, une fois que l'homme de Dieu va relâcher the les power paroles, will be released. La puissance sera relâchée. And wherever you are, et partout où vous êtes, your miracle is sure. Vos miracles sont this certains. One, you cannot dispute it. En effet, cet homme, because on ne it's peut going pas, to be very clear. Parce que cette fois, ce sera très clair. The Lord will not pass you by. Le Seigneur ne te traversera pas. Okay. Our pastor will be coming. Notre pasteur arrive. The man of God is coming. L'homme de Dieu arrive. Rise up and be ready to receive your miracle. Levez-vous et soyez prêt à recevoir votre miracle. So. Praise the Lord. My miracle is here. Do you really believe that? I said, do you really believe that? My miracle is here. At the mention of the name of Jesus, every knee will bow. At the mention of that name, your sickness will vanish away. At the mention of that name, every demonic power will bow out of your life. The Lord is ready for you now. If you need a miracle, you need a healing, you may lay your hand on yourself and raise up the other hand. Raise up that hand. And lay the other hand where you have the challenge. It's coming now. At the final amen. Then you check up yourself. If you couldn't see before, you'll see. You couldn't walk before, you rise up and walk.
and you had any visible infirmity or sickness in your body before, at the final amen, open your eyes, everything is gone. Let us pray. Father in heaven, we glorify your name. We worship and adore you. You love everyone. And it is not your will that anyone should continue in their suffering or sickness. And you have given us a promise that when we call upon you, you will heal, you will deliver. I pray, Lord, that right now, touch everyone, heal everyone in Jesus' name. Insanity, infirmity in the head, I command you, come out in Jesus' name. Au nom de Jésus. Je commande que tout ce qui est là-bas et qui n'est pas de Dieu, je commande maintenant, sort au nom de Jésus. Maladie, quel que soit le nom, maladie interne, maladie externe sur le corps, infirmité, douleur sur le corps, je te commande, sois guéri au nom de Jésus. Le nom de Jésus détruit toute œuvre du diable dans ton corps. Guéri, tu es guéri au nom de Jésus. Libre, tu es libre au nom de Jésus. Délivré, tu es délivré au nom de Jésus. Que les aveugles commencent à voir maintenant au nom de Jésus. Sourds et muets, commencez à entendre, commencez à parler au nom de Jésus. Paralytique, paralysé, affaibli au niveau des membres, recevoir guérison, commencez à marcher au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que c'est fait. C'est fait. C'est fait. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Ton miracle est déjà là. Ta guérison est déjà là. Examine-toi maintenant. Tu verras que tu as eu ton miracle, ta délivrance, c'est là maintenant.